C'est moi le plus beau, de Mario Ramos. Après un délicieux petit déjeuner, l'incorrigible loup enfile son plus beau vêtement. Ravissant. Je vais faire un petit tour pour que tout le monde puisse m'admirer, dit le loup. Il croise le petit chaperon rouge. Oh, quel délicieux petit costume! Dis-moi, petite fraise des bois, qui est le plus beau? Demande le loup. Le plus beau? C'est vous, maître loup, répond le petit chaperon. Et voilà, la vérité sort de la bouche des enfants. C'est moi le plus élégant, c'est moi le plus charmant, fanfaronne le loup. Il rencontre alors les trois petits cochons. Hé, les petits lardons, encore à gambader dans les bois pour perdre du poids? Dites-moi, les petits boursouflés, qui est le plus beau? Lance le loup. Oh, c'est vous! Vous êtes merveilleux, vous brillez de mille feux, répondent les petits en tremblotant. Je brille et j'éblouis. Je resplendis et je rayonne. J'illumine les bois de ma personne. Je suis une pure merveille, jubile le loup. Il rencontre ensuite les sept nains. Ouh, votre mine est épouvantable, les gars. Faudrait penser à vous reposer. Bon, savez-vous qui est le plus beau? Interroge le loup. Le plus beau? C'est vous. C'est vous, grand loup, disent les petits hommes. Tadi, tire la dada, c'est moi la vedette de ces bois, chantonne le loup. Je suis en super forme, moi, aujourd'hui. Puis il croise Blanche-Neige. Ouh là là, que vous êtes palichonne. Vous avez l'air malade, ma pauvre fille. Faudrait vous soigner. Enfin, regardez bien et dites-moi. Qui est le plus beau? Mais, c'est vous? Répond la petite. Mais oui, bien sûr. Bonne réponse, bravo mon enfant. C'est moi le roi de ces bois. Tous les regards sont braqués sur moi. Merci, merci cher public, hurle le loup. Il rencontre alors le petit dragon. Oh, bonjour. Quelle surprise. Ta maman est là? S'inquiète le loup en regardant autour de lui. Non, non. « Mes parents sont à la maison, » répond le petit. « Ah, parfait, parfait !» reprend le loup rassuré. « Dis-moi, ridicule petit cornichon, qui est le plus beau ?»« Le plus beau, c'est mon papa, et c'est lui qui m'a appris à cracher du feu. » Maintenant, laisse-moi tranquille avec tes questions idiotes. Moi, je joue à cache-cache avec l'oiseau. Répond le petit dragon.